Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. Donc, deuxième sortie de l'année, à notre endroit pour les jumps, pour une session de jump. Et là, sortie avec mon Max V1, le Wide. Et j'ai installé la cellule Vitavon, ainsi que ma protection, comme j'ai fait sur le premier, comme j'ai été très satisfait de cette cellule là, hein, vous l'avez vu à travers mes vidéos, je me suis dit allez, il manque plus que le wide maintenant. Donc on va voir bon là son comportement ici. Je vais voir quoi, j'ai fait quelques tours de roue avant de commencer à filmer, voir si tout était ok, car depuis que j'ai monté cette cellule, j'ai pas fait d'essai avec. Hein. Voilà. Ouais, ça il faudra que je voie ça. À notre endroit habituel, qu'on fait la course avec les copains. Allez, c'est parti. Donc là, je suis en 4S. Et c'est la deuxième sortie de janvier. La première, c'était ici aussi. Mais je n'avais pas filmé. C'est un ami qui a filmé. J'étais avec le os. Je mettrai le lien de sa vidéo, car elle m'a fait une belle petite vidéo sympa où je jump avec le os. Bon, je le rappelle, c'est pas parce que j'ai la cellule Vitavon hein, que je vais faire des sauts de psychopathe. Hein, vous le savez, ça m'intéresse pas, mais des sauts, bah, comme vous voyez, et là je peux même vous dire qu'avec le os, lors de la dernière sortie, je sautais ouais, plus haut que celui-là. Hein. C'est ah, je me demande, ah bah oui, je me disais, il manque de puissance, j'avais réduit la puissance à la radio. Ok. Ah voilà. Et j'ai ma carrosserie incassable version été. Ah dommage. Première ratée. Donc deuxième sortie de l'année. Et je vous invite à regarder la vidéo de mon os que mon ami a filmé. Belle petite vidéo de jump et vous verrez que mon os, waouh, il vole quoi. Par contre, il demande beaucoup plus de maintenance que le Max. Puisque là, j'ai refait certaines choses dessus. Mais ça, j'en parlerai le moment venu, quand je referai une sortie. Je vous montrerai les modifs, améliorations que j'ai fait dessus. Ah, voilà. Là, ça commence à jumper. Un peu plus haut, voilà. Sans faire des sauts démesurés. Et quand j'ai remplacé débranché ou l'interrupteur, parce que celui-là normalement je faisais pas beaucoup de jump, c'était essentiellement avec les roues du Summit pour les backflips, c'était tranquille quoi. Oh, un truc qui a bougé là-dedans. Celui-là il est pas on va dire pas étudié. Ah oui, le contrôle. Waouh! Waouh! Oh oh! Ah ouais, puis l'interrupteur. Faudra que je voie pour fixer le contrôle beaucoup mieux. Là, c'est moyen, moyen. Ah, je suis à fond.
Cool. Bon, j'ai amené deux lipos 4S de 4000. Tiens, on va se faire entre les deux arbres. Wow, petit con. Oui, il a bien plu cette nuit. Ben là, il va faire beau ce matin. Wow! Là, le contrôle a dû bouger. Piquer du bâton comme ça, fatal. Et donc, je disais, quand j'ai remplacé, ah bah ouais, tiens. Avec la cellule Vitavon, ça pose plus de soucis. Par contre, voilà, là, c'est pas sérieux, quoi. Oui, là, il tient pas. Il va falloir que je rectifie le tir. Vu que celui-là, je le dis. Je sais pas, des jumps comme mon max, mon autre max quoi. Il va falloir rectifier le tir. Propre le saut. Ah, le contrôle. Ah, c'est chiant. C'est chiant. Je remplace la cellule et je pense pas à revoir mon contrôle. Saligo. Comment je vais pouvoir faire pour qu'ils tiennent? Bon, c'est pas méchant, hein, mais voilà quoi.